Disque d'or 89, trophée mondial de l'accordéon, Oscar du hit parade de la danse, il est également un habitué des grandes émissions télévisées et anime les plus grands bals. Que ce soit à l'accordéon ou aux bandes de néon, Louis Corchia charme son public par des tangos, passes ou valses qui entraînent irrésistiblement les amateurs de danse. Nous allons donc accueillir, sans plus attendre, pour une valse célèbre, grand succès d'Edith Piaf, la foule, Monsieur Louis Corchia. Le maître Louis Corchia dans ses œuvres, maître cérémonie aujourd'hui dans sur un air d'accordéon, qui va venir nous rejoindre. Bonjour Loulou, ça va? Bonjour Michel, bonjour à tous. En forme? Très bien, bien sûr, c'est la forme. Alors, le style particulier de Louis Corchia, on l'aime, on sait que tu aimes le swing, tout ça. Quel était ton accordéoniste préféré? À l'époque, bien sûr, c'était Murena et Wieser. Gus Wieser. Voilà. Et puis imprégné aussi par Papa Corchia. Bien sûr, oui. Mais alors surtout pour le bandoneon. Bon. M'a promis de venir faire un spécial bandeau bientôt chez nous. Bien sûr, avec grand plaisir. Un nouveau CD en préparation? Oui, il se prépare tranquillement. En ce moment, je pense plutôt au bateau, tu vois, à la pêche et tout. Oui, évidemment. Et puis aussi le grand gala du Zénith. Ah oui, début novembre. T'as déjà préparé ton programme? À peu près, oui. Peu de choses près, oui. Est-ce qu'on va entendre, par exemple, on sait que c'est un de tes grands classiques, la danse du sabre? Obligé. Et il y aura de l'accordéon? Il y aura de l'accordéon et du bandoneon. Je me produirai avec le bandoneon aussi. Parfait. Alors, vous savez qu'il a plein de projets et puis aussi plein de passe-temps. Vous voyez ici un des passe-temps préférés de notre ami Louis Corchia. Ça fait partie de ses projets. Hein. C'est bon, Carpaccio, ça. Extraordinaire. Louis Corchia, qu'on applaudit très fort, cher public.